c'est quoi cette texture? C'est filamenteux. Mais c'est donc bien dégueu. Regardez. Oh! Mais là, à un moment donné, là. Bienvenue aux entrevues toutes crues. Des entrevues où je pose des questions malaisantes à mes invités. Et si elles décident de ne pas répondre, elles mangent des choses qui leur donneront des petites gorgées sûres jusqu'à la fin des temps. Alors, je débute avec la bronze, ma collègue charmante. Tu es prête à découvrir la chose dans laquelle tu devras croquer? Bien sûr, j'ai hâte. Bécoter? Bien sûr. Digérer? Transiter? On est prête. OK. Come on down! Il s'agit d'une petite vulve. Non, en fait, c'est le fameux durian. Qui est le fruit... qu'on a vu dans OD. Occupation double, qui exact. A été consommée par des journalistes gonzo. Ce qui me rapproche d'OD, ça me ravit. Ça te ravit? Je suis bien contente. Même si ça sent le petit papier. As-tu déjà, la bronze, eu une expérience homosexuelle? Parle-nous-en. Ça va vraiment être plate, mais non. J'ai déjà eu envie de... Fait que la porte n'est pas fermée. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais plus tard, quand même? Il y a porte entrouverte. J'aime ça. Ferme les lumières, débarre les portes. Qui est la personne du milieu artistique qui t'énerve le plus? Oh! Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne veux pas. C'est pas gentil. Je vais manger le fruit d'Odé. Mais c'est quoi cette texture? C'est filamenteux. Mais c'est donc bien dégueu, Caroline. Cette texture. Regardez. Oh! Mais là, à un moment donné, là. OK, j'y vais. Regarde si ça se passe bien. C'est une petite bouchée, ça. Mais tu sais quoi? C'est-tu sucré? C'est dégueulasse. Alors, l'épisode se poursuit avec ma tendre invitée. Je te présente, Rose, la prune salée sur canapé de langue. Mais c'est des petites gosses! Raconte-nous, Rose, ta pire histoire de menstruation. Oh, j'ai déjà travaillé dans un établissement là, de télévision, OK, où les toilettes étaient communes. J'étais en train de nettoyer mon récipient menstruel rempli de sang dans un évier. Je ne dirai pas c'est qui. René Cloutier s'est évanouie. Il y a une grande femme de la télévision québécoise qui, malheureusement, m'a vu nettoyer mon sang menstruel dans une toilette publique. Bon, Rose, je suis forcée de te demander d'insister. Je veux le nom de l'animatrice qui t'a vu vider ta coupe. Catherine, par respect professionnel pour cette grande femme, je vais manger la petite gosse sur lit de langue. La prune. Mais je vais me faire croire que c'est du petit jambon. C'est du petit jambon. Attention à tes petites dents. Oui, oui. Oh. C'est tellement salé, là. C'est ça. Oh. Tu sais, quand j'ai la grippe et je me gargarise comme parce que j'ai mal à la gorge, c'est moins pire que ça. Rosalie. Catherine. Sweetie pie. Es-tu prête à découvrir la chose dans laquelle tu vas croquer? Voilà, c'est de la Queen. C'est des oreilles de crête. Ben, un peu, mais dans un liquide mystère. Si tu pouvais pousser une fille de Codef dans les marches pour lui ravir sa carrière, qui choisirais-tu? Je pousserais Kat Levac parce que dans ma tête, c'est la plus petite. Quand elle volerait plus loin, ce serait plus drôle. Ce serait juste parce que tu voudrais pas de sa carrière, tu voudrais juste la voir tomber. Voilà. Droit des femmes ou droit des animaux? Si je dis droit des femmes, je vais me faire traiter de spéciste. Si je dis droit des animaux, on va me dire que... Tu ne t'en sortiras pas. Bien, je vais goûter à ce petit-là. Ah! L'un devrait pas prioriser sur l'autre. Ben, on peut défendre tout le monde. Alors, je vais clairement pas défendre les animaux et je vais manger un petit peu. Attention, je me sauce. Non, non, mais je mangerai ça en fin de soirée quand je reviens de veiller. Je pense que quand on va finir de tourner, je vais m'en donner à cœur joie. Je vais aller me chercher une petite cuillère. C'est ce qui conclut les entrevues toutes crues avec toi et avec toutes vous autres. Merci infiniment, quel fun! Avez-vous eu du fun? Je pense qu'on va avoir possiblement un peu de plaisir fun et fun fun à Codef cette saison-ci. Oui. Avez-vous hâte? J'ai quand même hâte. Yes! OK. On va attacher votre casque, mettez vos culottes, on part.